Bon les gars, ça vous dit on refait le décor un petit peu là? Parce qu'il commence un petit peu à... Enfin, il est beau, vous voyez ce que je veux dire? Mais je trouve que ça manque de lumière. Et moi, comme je suis un peu un kéké tuning sur les décors YouTube, j'ai acheté beaucoup de choses, enfin pas mal de choses, pour pouvoir refaire un petit peu la déco de ma décoration. Mais attends, mais c'est pas français ce que je viens de dire. Enfin, rafraîchir ma décoration, voilà. Et du coup, cette vidéo va parler de LED, évidemment, parce que regardez bien, mon décor actuel, c'est ça. C'est pas mal, hein? Pour rafraîchir mon décor, j'ai acheté 3 colis dans lesquels il y a des objets qui vont servir à décorer tout simplement cette étagère que j'ai acheté sur But. C'est vrai qu'il y a quelques youtubeurs qui l'ont. Bref, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, surtout écoutez bien le bruit. Ça c'est parce qu'il manque d'eau à ma fontaine. Et évidemment je n'ai plus là. Merde. Les gars, j'ai une vieille gourde que j'ai complètement défoncée. Il y a aucun sens. Il reste de l'eau, je vais en mettre un petit peu dans la fontaine. C'est horrible ce bruit de merde. Allez, c'est parti, on passe à l'unboxing pour pouvoir décorer mon décor. Ok, bien heureux les amis, on va tout simplement ouvrir le colis. On va d'abord ouvrir le plus petit. Tac. Donc, ce sont des guirlandes à piles. Il faut 3 piles pour pouvoir mettre la guirlande. Et ça, je pourrais le mettre simplement à chaque étage. Donc, je sais pas si vous voyez, mais là, du coup, et en haut là. Donc voilà, j'ai 2 guirlandes qui m'ont pas coûté excessivement cher. Et ensuite, j'ai quoi les gars? On a tout simplement un colis ici. Tac, avec dedans un cactus. Oui, un cactus LED qu'on va désormais brancher. Je savais qu'il y avait déjà un cactus. Alors en secret, ce colis je l'ai ouvert, c'est le seul que j'ai ouvert avec ça. Donc voilà, j'ai deux trucs comme ça en fait. J'ai bégayé, hop, et attention. Tac. On peut utiliser en USB si on veut, mais en l'occurrence moi je préfère à pile parce qu'il n'y a pas de truc USB sur mon étagère. Ça rend un truc à peu près comme ça. C'est plutôt beau honnêtement, ça peut être super cool. Donc voilà, on va les éteindre. Et ensuite on a le plus gros colis qui m'a coûté environ 80 €. Ça fait assez cher pour ce que ça, vous allez voir quand même. J'espère que c'est de bonne qualité, sinon je vais demander à Amazon. En vrai je sais pas les gars, mais je vais me mettre un vieil avis de merde hein, si c'est de la merde. Voilà. Et... C'est un carnage ce truc de merde. Ok, la facture sur une feuille rose, on se croirait au bac. Bon, le néon se trouve là dedans. C'est un néon RGB et je le voulais trop. Pour le mettre juste là derrière, ça va être super bien. Oh non, pas du polystyrène, ça va en foutre partout. Oh bâtard. Putain, ça va en mettre partout, je suis seul. Ok, on le sort. Il est un peu plus épais que ce que je pensais. J'espère que ça va faire le taf. J'espère que c'est pour le poser par terre. Effectivement, c'est ça. Mais c'est horrible, ça en fout partout. Donc ça se branche par prise, heureusement, parce que sinon si c'est en USB, j'allais dire c'est quoi ce merdier. Prise secteur, voilà. En fait ça c'est grand, j'ai cru que c'était plus petit, mais non, ça va. Et ce vieux truc de merde, hop, on l'enlève. Ok, juste j'ai envie de faire un truc. Attention, c'est pour mon plaisir personnel. Ça en fout partout, j'ai le seum les gars, mais vous pouvez pas savoir. J'ai la flemme de passer l'aspi là. Ok, donc le socle qui est, ma foi, assez fragile hein. J'ai l'impression qu'il est assez fragile. Écoutez, on va essayer de le brancher. J'espère qu'il fait une bonne lumière les gars. Sinon j'ai le seum. La vie de ma mère, je l'ai acheté juste parce que j'aime bien le délire. Mais si le délire me plaît pas, ça va me faire péter un câble. Mais on va couiller. Mais les gars, mais c'était censé. Là, voilà l'envers du décor. Là ça se... Non. C'est un petit détail, mais vas-y, c'est chiant un peu. Bon, écoutez, maintenant je peux faire le kéké tuning. Bon, ok. Moi, je trouve que ça vaut pas 80 balles. Mais le pire, c'est que ce sont les seuls sur Amazon à vendre ça. On va tester les guirlandes. Donc, écoutez, je pense qu'on va passer tout simplement à la mise en place de toutes les décorations. Et puis, on va se mettre un petit peu dans le noir, comme ça, on va voir ce que ça fait comme lumière. Donc, écoutez, c'est parti. C'est énorme, il y en a trop, les gars. C'est quoi ce merdier? Mais wesh, toujours plus, hein. Allez, encore. Ça me fatigue, hein. Mais non! En plus, faut pas que ça touche l'eau. Là ça fait un peu paillou quoi, ça fait un peu paysan quoi. On dirait qu'il y a de la paille. Et en plus ça se voit. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Bon bah c'est pas si mal en vrai. Juste on va éteindre la lumière. Ok. Bah ça a un peu plus de gueule. Ça c'est clair et net. Bon écoutez les mecs, ça a déjà beaucoup plus de gueule qu'avant. J'ai essayé de faire un petit truc avec les lumières qui me restaient. Et même en bas j'ai essayé de faire un petit truc. Bon c'est sûr que plus on va en bas, moins il y aura de lumière. Après, est-ce que ce serait plus judicieux de mettre le néon derrière ou pas? J'en ai aucune idée, je sais pas ce que vous en pensez les gars. Et après la LED là, je pourrais la bouger ailleurs quand même. La LED en fait juste ici, et bah fonctionne pas, c'est un peu chiant. Elle est pétée, voilà ce que ça rend. Bon on peut voir clairement qu'elle est pétée parce qu'elle fait beaucoup moins de lumière etc. En fait j'ai fait un autre truc et ça a l'air d'être pas mal. Perso j'aime bien. Donc ça fait un truc un peu festif là, honnêtement. Un peu trop même.
Après, est-ce que je peux améliorer ça? Peut-être. Là déjà, je trouve que ça c'est un peu chiant. Je pense qu'une couleur fixe, ça serait beaucoup mieux. Genre comme ça, les gars, je pense que ça pourrait rendre super bien. C'est bien lumineux. Ah merde. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Honnêtement. Du coup, on va faire quelques plans, puis après, je vais faire une petite conclusion, les gars. Bon bah écoutez les amis, voici le résultat. Je sais pas si vous aimez, mais moi je trouve que ça donne un petit peu plus de vie à mon décor. Malgré que celui-là soit cassé là, c'est un peu chiant. Mais bref, dans l'ensemble je suis assez satisfait. Je vais beaucoup m'amuser avec cette télécommande pour pouvoir changer les couleurs. Je vais pouvoir faire comme ça, 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 comme ça. Enfin bref, je pourrais faire plein de trucs évidemment. Et pourquoi pas racheter des petits néons de formes différentes, ça dépend. Je sais que c'est pas si cher que ça, donc pourquoi pas en racheter si je trouve que ça donne bien. A vous de me mettre une note dans les commentaires les amis, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, c'est très important les gars. Comme ça vous allez recevoir toutes mes vidéos. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars. C'était GX, portez-vous bien et à la prochaine.